Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Peggy de la chaîne de CTM Oeil. Comment vas-tu, cher ami? Bah, très bien, merci pour l'invitation et puis ce nouveau podcast. Voilà, toujours un plaisir de parler de cinéma avec toi. Ah bah plaisir Voilà. partagé. Et en plus, là on s'est dit cet été, en plus toi tu peux pas encore trop aller au cinéma, même si tu as commencé à y Non. retourner doucement. Pourquoi pas parler d'un film Netflix, eh oui, qui est sorti le 13 août, un film estival qui se passe dans le sud de l'Europe, intitulé Beckett et réalisé par un Italien du nom de Ferdinando Citto Filomarino. Wow, superbe le nom, extraordinaire. Et produit par un autre Italien, Luca Guadagnino, qui avait fait Call Me By Your Name ou Suspiria version 2018. Et au D'accord. casting, nous avons. Ah, oui. Alors, bon. Nous avons dans le rôle principal un certain John David Washington, que tu aimes beaucoup depuis Tenet et surtout Malcolm et Marie. Hein? Bye. Voilà. Malcolm et Marie, qui est ton film de l'année pour l'instant. Oui, j'ai du mal à m'en détacher. Et à ses côtés, parce qu'il y a d'autres acteurs quand même, même si ça bouge beaucoup autour de lui, il y a Alicia Vikander qui joue sa compagne. Et Vicky Krieps aussi, qu'on a pu voir dans Phantom Thread, par exemple, ou récemment dans Old de M. Night Shyamalan. Donc on la voit pas mal. Vicky Krieps, qui est une actrice luxembourgeoise, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, D'accord. ce Beckett est un film assez étrange, un thriller, on va dire, hein, une chasse à l'homme, où on va suivre Beckett, d'où le nom, hein, rien à voir avec l'auteur, hein, Samuel Beckett, quoique on pourrait toujours trouver des parallèles, mais là je pense pas. Donc Ouais. Beckett qui se retrouve en vacances en Grèce avec sa copine. Voilà. Et un beau jour, il va être traqué par la police locale suite à un drame, on sait pas, voilà, on va pas trop en dire parce que le synopsis n'en dit pas grand-chose. Et donc on se demande si ce monsieur n'est pas victime d'une conspiration. Est-ce que c'est parce qu'il est américain? Parce que oui, il est américain en vacances en Grèce, mais pourquoi? Aurait-il vu quelque chose ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre ou voir? Et bah, du coup, c'est un film qui mélange l'action, le côté policier et tout. Et on va se demander jusqu'au bout avec lui pourquoi il est ainsi traqué. Donc, film qui part d'un principe spécialement simple, on va dire, mais qui se déroule dans un contexte vacancier avec des beaux décors grecs. Mais qu'en as-tu pensé de ce film? Que finalement, ouais, il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais Non, voilà. mais je peux comprendre, hein. Ah. C'est vraiment un film fait pour la télévision, je trouve. Oui. Voilà, je pense aussi que c'était leur vacances payées par une production de cinéma. Ouais. Franchement, Je il sais n'a pas pas s'il était prévu. grand-chose Non, je pense qu'il a été coproduit par la RAI, donc chaîne italienne, mais ouais. Ouais, bonne question. Enfin, moi, ce que je me suis pensé, est-ce que c'est vraiment pour le film qu'ils ont accepté le film ou alors, enfin, surtout pour John. David Washington, ou alors est-ce que c'est pour des vacances en Europe? Ah, Car c'est les Américains possible. aiment beaucoup l'Europe, s'ils peuvent bouger, ils bougent. Donc c'est vrai que ouais, ça, c'est clairement pas un grand scénario, c'est même limite un film, on va dire, fin des années 90, 2000. Enfin, c'est surtout par un montage, comme quoi finalement, même quand il y a le montage. Enfin, c'est ça qui est bizarre en fait, parce que le film, pour moi, rencontre un problème. C'est que c'est très bien filmé, mais tout est bancal. Je ne Bon, saurais oui. pas où, comment où trouver le problème. Est-ce que c'est parce que ben, du coup, il n'y a pas vraiment de scénario et que donc, du coup, ils ont tout mis dans la réalisation, ce qui est possible aussi. Et donc, du coup, l'histoire, quand on a compris dès le départ, on attend que ça se termine, quoi. Enfin, on attend de voir comment ça va se terminer, quoi. Oui, c'est vrai que c'est très basique sur le papier. On peut même remonter à avant les années 90. On peut, voilà, une sorte de scénario là, Hitchcock, c'est un peu la mort aux trousses, quoi, tu vois. C'est Mais ça. c'est. Bon, oui, on a un décor qui est un peu paradisiaque et qui est oui, des paysans. Mais en soi, le scénario, oui, très vite, n'allez pas chercher un truc extraordinaire dans la révélation. Non. Si ce n'est qu'on tente un contexte social sur la Grèce. Alors, c'est voilà, ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années. Ça a l'air d'être un prétexte ici, parce qu'il n'y a pas un vrai fond social, politique Non, puissant effectivement. derrière, quand même, hein. Ça creuse pas beaucoup, hein.
Non, c'est du coup, c'est encore pour dire que les communistes sont les méchants, etc. Enfin, tu vois, Oui, c'est. parce que c'est vrai qu'à un moment, on pense que ce serait des nationalistes extrême droite, puis il y a des communistes. Bon, à vrai dire, on s'en fiche très vite parce qu'on n'a pas Oui. le développement local de ce qui a pu se passer, si ce n'est des manifestants. Voilà, à un moment, ils rencontrent des manifestants menés par Vicky Krieps, qui est là en Ouais. mode activiste et tout, mais. Oui. Alors, Ça et. sert pas longtemps. À part sauver justement peut-être, ça. Après, ceci dit, il joue plutôt bien quand même. Enfin, il y a quelques acteurs qui jouent quand même plutôt bien. Enfin, en fait, c'est un film où ce que je dis dans ce genre de critique, ce sont des acteurs qui portent le film sur leurs épaules. Exactement, ça Et existe. tu sens quand même au bout d'un moment un peu d'épuisement, en fait. Enfin, moi, ça épuise en fait quand un film, je trouve, n'est porté que par les acteurs. Parce que ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi, en fait. Ben c'est surtout John David Washington qui est tout le temps là, qui c'est vrai Ouais. que ce qui lui arrive, c'est redondant, quoi. Ouais. Et puis alors, il a toutes les misères du monde, et puis il s'en sort tout le temps. C'est un peu le super-héros par moment. Oui. Il y a des cascades qu'il fait plus ou moins toutes lui-même, pas toutes quand même, mais. Mais avant, c'était un ancien sportif, donc c'est lui qui a fait vraiment toutes les cascades. Alors, il y en a une où il tombe sur une voiture, je pense pas que ce soit lui, sinon. Ouais, je sais pas, oh, ça Bon, allez. pourrait, hein. En cause, il fait encore bien, Oui. c'est voilà. Mais t'as des moments où ça sort. Voilà, on sort d'un réalisme. Le film se veut très réaliste par rapport à une situation, mais bon, il s'en sort là où 90% des gens à sa place seraient morts avant la moitié du film, quoi, tu vois. Et puis, t'as aussi le Ça pro. va faire, on l'a vraiment chez là. On lui tire 10 fois dessus, mais il est toujours le bon. Oui, et puis c'est pas. En plus, c'est même pas un ex-flic ou autre, hein. Non. C'est un gars lambda C'est clair, hein. qui C'est clair. était là au mauvais Ouais, moment, au mauvais endroit, quoi. Voilà, c'est ça. est-ce que du coup on pourrait se poser la question, et c'est peut-être là où je trouvais le scénario, est-ce que bah, du coup bah, le Beckett aurait pu être un ancien, justement de la police, etc. Enfin, là, il y aurait eu un truc, tu vois, voilà. Hein. Un ancien qui vient en vacances dans un pays et qu'il lui arrive un truc et Oui, c'est vrai ça que aurait pu le le scénario va rattraper. pas là. Ouais, mais c'est complètement passé à côté et en fait c'est juste un film que tu peux regarder en fond quoi même. En Voilà, parole c'est quoi. ça. Alors moi je l'ai vu en vacances avec ma mère, on s'est quand même un peu ennuyé. Parce que ça tourne en rond et c'est long, ça dure presque 2 heures. Ah, quand j'ai vu le temps, je crois que c'est 1h51. J'étais là, ah ouais quand même. Puis alors le problème c'est que tu vois tout arriver. Alors je veux bien que ce soit basique, mais à un moment bon il y a un traître, on le voit arriver. À un moment il y a une scène dans le métro où il y a quelqu'un qui Ouais. fume au loin ou qui téléphone au loin. On sait très vite comment ça va se passer. Ouais, complètement. Et puis, je trouve que les acteurs masculins sont moins à l'aise que les actrices. Je ne sais pas, on dirait qu'ils n'y croient pas trop à ce qu'ils disent. Et que du coup, enfin, moi, je ressentais un certain malaise, en fait, de la part des acteurs masculins surtout, À part essentiellement. John Donne, oui, c'est vrai que celui qui joue à l'ambassade, par exemple, c'est pas top, quoi. Hein. Non, c'est clair. Ils disent des dialogues, mais. Donc, il n'y croit pas du tout, quoi. À la rigueur, celle qui s'en sort aussi très bien, c'est Vicky Krieps, mais qui joue l'activiste, mais elle est très peu utile au film, en fait. Elle est juste là pour Non. aider, mais en soi, ça va pas très loin, quoi. Puis, alors, tout ce qui est discours social derrière, allez, on va quand même faire une zone spoiler, parce que. Ouais. Bon, on peut saluer la photographie et la mise en scène qui sont efficaces. Oui. Ça permet, voilà, on voit des ruines au début, ça donne envie d'aller en vacances en Grèce, jusqu'au moment où il n'arrive pas ce qui se passe. Parce que si vous allez en Grèce et qu'il vous arrive ça, c'est très dur. Mais bon, en Grèce, en ce moment, il faut faire attention aux feux de forêt aussi. Hein, voilà. Non, mais bon, plus sérieusement, on va faire une zone spoiler parce qu'il y a quand même un truc qui commence le film de façon dramatique. Et Donc, complètement, ouais, c'est ça, c'est que ça commence par un accident de voiture et oui. et ils se sont responsables, mais il est responsable puisque c'est lui qui s'est endormi en fait au volant Oui. et que par cet accident, bah, en fait, il voit des gens qu'il n'aurait pas dû voir et que du coup, en fait, c'est pour ça qu'on essaye d'éliminer Beckett. Et oui, puis en plus, il perd sa compagne. C'est quand même le deuil ultime, voilà, cet accident dont il est clairement responsable. D'ailleurs, le seul intérêt du film, c'est de voir comment réagit un homme au deuil dont il est responsable. Même qu'à un moment, il tente de se suicider Oui. avec les somnifères, là où sa femme est morte, enfin, sa compagne est morte. Et c'est là où il va se faire traquer, alors qu'il est. D'ailleurs, c'est presque une incohérence. Ce gars, il y va pour se suicider là où sa compagne est morte à cause de lui.
Et au lieu de se laisser tirer dessus à la rigueur, maintenant il va fuir. Totalement. Ça, c'est rempli d'incohérences. Je pense qu'en fait, à mon avis, il ne savait pas trop comment faire les transitions entre les scènes. Il avait les idées pour les faire, mais il ne Oui. savait pas, à mon avis, faire les transitions entre les scènes. Donc, du coup, ça fait très cliché, en fait, film d'action à l'ancienne, quoi. Oui, puis du coup, ce fait est qu'il a, il est sur le point de mourir, mais il va quand même se battre pour sa vie. On est presque dans le théâtre de l'absurde, l'absurdité de l'instinct de survie. Donc c'est presque du Samuel Beckett, en fait, si on veut. Mais si on veut, hein. Mais non, mais voilà. Bon, après tout, au final, il y a quand même un truc qui m'a plu un peu, c'est qu'on voit un homme qui aurait pu tout lâcher, mourir et tout. Eh ben oui, c'est de sa faute ce qui s'est passé. Mais à la fin, il va quand même réussir, par ses actes et par sa résistance, à sauver l'enfant qui a été kidnappé, le fils de l'opposant Carras, hein, et pas confondre avec Léos Carax, hein, évidemment. Carras, qui était aussi le nom d'un prêtre dans l'Exorciste. C'est bizarre. Et donc, il arrive à sauver l'enfant qui a été kidnappé, donc par les communistes, hein, parce que oui, au final, c'est les communistes qui sont méchants dans le film. Je sais pas pourquoi. Ça fait très américain des 80-90. Ça. Mais bon, oui, à la rigueur, le message il est là, mais c'est assez mal amené quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Finalement, un film ne se porte pas seulement que sur l'interprétation, pardon, des acteurs, quoi. C'est quand même. Il faut un truc en plus pour vraiment l'apprécier, quoi, en fait. Bah, Il manque. par contre, quand même, c'est beau. Le message final, c'est que si c'était la vie à sa compagne, mais si c'était pas endormi, le gamin serait mort. Voilà. Ouais, bah tu vois, je l'avais même pas vu en Mais fait. bon, il faut vraiment creuser pour le voir, tu vois. C'est ça. Mais donc, du coup, on peut saluer aussi la performance d'Alicia Vikander, qui joue la compagne et donc qui a le rôle le plus court de sa carrière. Mais ça va, il y a une intensité de couple quand même. Donc, on peut ressentir la tristesse et le deuil parce qu'on prend 5-10 minutes à construire leur relation, un amour très fort, tout ça. Voilà. D'ailleurs, le petit tatouage qu'elle fait au stylo, un cœur et tout. Eh ben, il va finir par s'effacer à la fin une fois qu'il est sauvé. Voilà, c'est la métaphore. Le deuil est, en fait, il arrive à passer son deuil grâce à son instinct de survie et à ce qu'il fait. Donc, à la fin, quand il arrive à sauver le gamin en sautant sur la voiture de 40 mètres, non, peut-être pas 40 mètres, mais là où 90% des gens seraient morts. Hein. Mais bon, voilà, c'est l'instinct de survie ultime et il est presque devenu super-héroïque par l'adrénaline de cet instant. Voilà, bon. Puis, Non, mais bien c'est sûr. vrai qu'enfin, je trouve justement, donc moi qui adore Ma grande Marie et qui joue un connard fini dans ce film, Oui. je trouve que c'est quel changement de rôle entre les deux films, quoi. Ah oui. C'est ça que j'adore, moi, avec certains acteurs, c'est que vraiment, tu oublies que dans le précédent film, il a joué un connard que tu ne supportes pas, et dans celui-ci, complètement touchant, t'as envie de l'aider, en fait. C'est ce que font les filles, en fait, dans le film. Et puis, ouais, et puis bon, on peut le rapprocher éventuellement de son rôle dans Tenet, où il souffre pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ce genre de film, son père, Denzel Washington, dans les années 90, il aurait pu y jouer dans ce genre de film. Peut-être qu'il a accepté le rôle pour un hommage à son père aussi, je ne sais pas. C'est possible, peut-être. Et pour les vacances en Grèce, hein, tout frais payé. Voilà, c'est ça. Mais Moi, je pense bon. que pour les vacances aussi, que les acteurs ont accepté le rôle. Hein. Mais on peut dire ce qu'on veut de John David Washington, c'est qu'il se donne à fond dans ses rôles. Voilà, ça c'est clair et net. Complètement. Parce que là, voilà, bon, il fait ses cascades et tout, il était pas obligé, mais il a voulu vraiment aller à fond. Donc, Ouais, complètement. c'est C'est une quelqu'un preuve. qui est à suivre, je pense, pour la suite. Je pense aussi, parce qu'il a seulement 10 ans de carrière quand même, donc Bah, c'est moi, je l'ai nouveau. découvert, je crois que je l'ai découvert dans Black Klansman, où il est très très Ouais, bon. Hein. pareil. Alors Ouais. apparemment, il fait une apparition dans le film de. Ah, j'ai oublié le nom, Malcolm X, qui fait Ah une grosse oui. apparition à la fin, dans Il a la joué un classe. enfant, oui, il a joué un enfant en effet. Ah, c'est marrant, ça. C'est Denzel Washington qui est arrivé, qui a placé son fils. C'est ça? Ben, il avait joué dans The Old Man and the Gun de David Lowery, mais ça j'ai pas vu. Oui, Donc mais c'est. je t'ai rattrapé aussi. Et il y a un film que j'ai pas aimé, c'est celui-ci et Monster. Ah oui, Ouais. c'est. Oui, puis il va visiblement sortir aussi. Il va jouer dans un film qui s'appelle Canterbury Glass bientôt. Ah, bah, Voilà. intéressant. Monster, j'ai pas. Alors, Monster, c'était le film britannique ou. C'est sur l'histoire d'un jeune qui va être accusé d'un meurtre
et qui va essayer d'être sauvée par une avocate blanche. Enfin voilà, c'est D'accord. Ah non, mais encore. j'ai pas vu celui-là parce que j'avais vu un autre film britannique du même titre, je crois. Il est dispo sur Netflix, tant que vous D'accord. allez Bon, voir. bah, Monster. Si vous cherchez Monster sur Netflix, vous verrez peut-être John David Washington. Mais du coup, on va refermer la zone spoiler. En fait, on l'avait bien refermé déjà, hein, mais on la referme vraiment. On a parlé un peu de la carrière de John David Washington avant. Et du coup, si tu devais conclure, est-ce que tu conseilles vraiment ce film aux gens? Si vous avez une soirée où vraiment vous n'avez pas d'idée de film, mais que vous aimez des petits films à l'ancienne, Oui. vous pouvez vous tenter le film. Hein. De toute façon, si vous avez l'abonnement Netflix, vous ne perdez rien. Hein. Donc, Oui, voilà, c'est voilà. ça. Ça fait partie de ces nouveautés Netflix, on va dire les trois quarts d'entre elles sont très oubliables, mais ça peut combler une petite soirée, tout ça. C'est ça. Mais bon, ouais, Bah, franchement, bon, c'est c'est ça va pas être le film qu'on va retenir cette année, même dans le genre, hein. Ouais. Mais bon, c'est pas non plus horrible, attention, hein, on n'est pas. Non, Voilà. voilà, c'est vraiment un film pour la télé, ça se sent. Ouais, un peu un film à la Netflix aussi, c'est un peu Ah leur oui. cahier des charges, finalement. Enfin, c'est leur façon de faire des films. Après, c'est un film à Netflix, mais il n'y a pas trop la colorimétrie de Netflix. C'est quand même. Voilà. Enfin, c'est vrai que c'est ce que j'avais dit la critique sur Facebook. Enfin, pas de filtre. Voilà, il n'y a pas le filtre Netflix. Parce qu'on est beaucoup en extérieur avec des beaux décors naturels. Donc, ça aide un petit peu. C'est vrai que là-dessus, ça aurait pu être un film Amazon Prime et tout. Je ne me serais pas surpris. Mais ouais, non, mais. Franchement, voilà, c'est un film qui se laisse regarder, mais qui va vite être oublié, si ce n'est pour les belles petites cascades ou l'introduction un peu Voilà. sombre. Mais la finalité, là, on aurait pu pousser un peu plus le côté social. Bon, Ouais. c'est juste un homme qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et pourtant, il était là pour des bonnes raisons en vacances. Mais voilà, à mon avis, il n'y retournera plus jamais en vacances en Grèce. Non, là, c'est fini. En tout cas, bah, merci beaucoup, Peggy, d'avoir été là pour parler de ce film. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation, c'était cool. Avec très, très grand plaisir. Et puis, on se retrouvera certainement pour d'autres vidéos ou autres débats pour les Et t'as du coup, tu mets achroniqueurs. combien de films, toi qui me mets des notes? Ah, oh là là, pff, la note. J'ai mis un petit 5 sur 10, j'avoue. Ouais. J'étais violent, mais j'ai été frustré par le manque de profondeur sociale et les petites incohérences aussi. Donc, à un moment, j'ai décroché. J'ai même somnolé pendant une dizaine de minutes, hein, je t'avoue. J'étais sur la digestion et. Et quand je me suis remis dedans, j'ai rien raté, quoi. C'est ça qui est terrible. Parce que des fois, tu somnoles sur un film et tu te dis, oh, bon, allez, ah ouais, là, j'ai loupé un truc, mince, mais là, non. Je suis d'accord. Mais Non, bon, ok. moi. Il était dans un train, je me suis réveillé, il était dans le métro, quoi. Donc. Voilà, il y a un train à Arto, au sud Oui, de l'Europe. un film qu'on peut conseiller à Artopolis, qui aime beaucoup les trains, mais là, bon, ouais. Ouais. C'est un peu le train-train quotidien, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Peggy. Et allez voir la chaîne donc de Peggy. Je mettrai en description évidemment comme d'habitude. Peut-être que tu reprendras bientôt les vidéos, je ne sais pas. Ouais, Mystère. je pense, bientôt pour la Voilà. rentrée. Ah oui, il y a la rentrée qui s'approche pour tout le monde malheureusement. Et oui, il faut bien que les vacances s'arrêtent. Et même si elles ne se passent pas en Grèce. Voilà. En tout cas, très très bientôt. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le à la prochaine. À bientôt, salut. Ciao! À bientôt!